Et plop les gens, de retour sur Céleste, toujours le monde 3 et toujours en train d'essayer d'avoir la fraise dorée. On va voir si après une petite pause, ça se passe mieux. Apparemment, pas du premier coup, mais bon. J'aurais été un peu abusé si je réussissais du premier coup. Enfin, c'est pas du premier coup du coup, mais enfin, c'est le premier coup après. Une petite pause pour soigner les doigts, reprendre un peu de sucre, un peu d'eau. Pause bio aussi, bref. Ah zut. Ah zut, je suis pas allé assez loin, je vous l'ai déjà expliqué, c'est relou. Là j'étais trop loin, par exemple. Voilà pourquoi c'est relou. Oh. Ah zut, pas assez loin, encore une fois, encore une fois. Je me suis raccroché en allant sur la droite exprès parce que je savais que j'allais pas encore aller assez loin, enfin que j'étais pas assez loin, mais il y a des caca qui sont apparus au-dessus de moi. J'avais raison, hein. C'est pas la salle 3 où je suis plus mort. Mais j'avais tort dans le sens où à la base, je croyais que ça allait être la salle 2 où j'allais le plus mourir. En me disant, c'est bon, j'ai le rythme de la salle 1. Ce qui est plutôt vrai, mais pas parfaitement non plus. Aïe, aïe, aïe. Oh. On va y arriver. J'étais trop au centre. Je n'ai plus le rythme ici de la deuxième salle. Mais c'est clairement juste la question de rythme et pas... La question de ce saut mural. Ouais, le rythme, le rythme. Je suis sûr que j'ai pas le meilleur rythme. D'ailleurs, l'épisode dernier, je vous parlais de Stex et il m'a fait voir que pour le 2C,
je prenais pas la bonne route. Ah bah voilà. Là, c'est plus ce genre de mort là que je voyais dans la salle 2. Alors après, le 2C, là comme ça, regardez, bah, devinant en arrière. Mais c'est le... La dernière salle, c'était la salle où au tout début, c'est surtout le tout début où j'avais pas forcément le bon chemin. C'est au tout début, on a une sorte de mur avec un dream block, un petit peu en longueur au milieu, et des pics, il y a des pics de partout dans cette salle. Et en fait, il fallait prendre le dream block, et moi je m'arrêtais, je tombais, je remontais en diagonale deux fois pour avoir les deux locks, et après je revenais comme il faut. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est prendre à pleine vitesse, sauter pour avoir le bloc, le truc de clé que je prends en deuxième, mais l'avoir en premier. Dasher sur le petit truc en hauteur. Faudrait que je vous remontre. Ça sera plus clair quand même. Et revenir. Si jamais je réussis à avoir cette fraise dorée, j'essaierai de penser à vous montrer. Pas juste après, c'est juste ça. Ouais, d'accord, ça c'était nul. Donc les chats essaient de monter sur l'étendage. Quand je dis les, c'est le nôtre et où ceux des voisins. Secours. Ah zut, je l'avais presque. Rapide sur le timing. Ah zut. Oh. Naze. Ah zut. Oh là là. Ça. Et là, je me suis rattrapé. Mais pareil, j'avais pas fait toutes les choses comme il fallait. Le main. Hop, c'est trop. Hop, yes. Pourquoi j'arrive plus là-haut?
Ah, ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool ça. Non, pas cool du tout. C'était un problème de saut mural, mais parce que j'étais trop bas. À cause des timings surtout. Donc c'est vraiment plus une histoire de timing qui m'angoisse dans cette salle que d'autres choses. C'était un saut de merde. Oh, dommage. Non. Après qu'ils se soient croisés, qu'il faut dasher. Pas avant. Pas au moment où ils vont se croiser. Ils se sont croisés. Oui. Oh, non. Pas aller assez loin. Hop là. Non, c'était vers le haut, c'est vers le haut. J'avais dit, il faut que je dash vers le haut à cet endroit-là, quoi qu'il arrive. Non, j'ai paniqué, j'ai voulu sauter alors que, qu'il fallait juste m'agripper. Là, j'ai mis clic. Aussi. Non. Passait de justesse, je suis déçu. Boire une petite gorgée. Trop tôt, beaucoup trop tôt.
Merde, donc je repense au fait que Oshiro m'a buté après le cœur. Vaut mieux que je m'en rende compte tant que je suis pas en train de faire la fraise dorée, hein. J'aurais été encore plus vénère. Mais bon, là c'était la première fois que je passais le interrupteur à pic. Mince. C'est une pourrie. C'est la première fois que je passais l'interrupteur à pic, du coup. Ça m'a quand même saoulé. Et d'habitude je fais pas comme ça, donc j'étais pas perdu, mais voilà quoi. Timing, timing. Suite. Non, ça c'était dans le mauvais timing, dans le contre-timing. Enfin, je dois être dans le contre-timing, mais là j'étais dans le timing. Non, j'aurais dû passer. Ah, j'étais un peu trop loin. Ah, c'est ce genre de mort que je m'attendais, pas des erreurs de timing. Je fais un dash vers le bas là. J'étais plus désespéré dans le monde 2 que là. Hein. Aïe 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 aïe. Le dash qui ne le fait pas. Aïe aïe aïe, ce coup là. Ah, je suis pas allé assez au fond. Du moins, non, ça c'était le dans le timing.
Et je me suis pris le poteau, le mur en pleine poire. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai eu une vibration qui m'a fait croire que j'étais mort. Je sais pas si c'est un bug de la manette ou si c'est moi qui ai mal interprété entre le dash et la récupération du cristal. Ah punaise, le mur, le plafond! Il m'a fait aller trop haut. Ah punaise, je suis allé en bas. Là, la manette, elle a bugué. Elle a vibré. Alors qu'on lui a demandé pas tant. Je fais n'importe où. J'arrive pas à chanter sur ce musique, hein. Pas trouver son rythme comme il faut. Juste parce qu'il est trop rapide et. Et que c'est tout. Je ne. J'arrive pas à poser les trucs. Un peu trop loin parce que j'ai commencé mon saut trop du rebord. Pas attendu. Oh non. Erreur nulle. Je croyais que j'étais sur la plateforme, mais en fait non.
Oula non. Le plafond, le petit rebord de mur. Encore une fois. Oh punaise. Ouais, c'était juste. Je pense qu'un truc qui me frustrait beaucoup dans le chapitre 2, c'était de mourir tout le temps sur le dernier monde, quasiment. Alors que ceux d'avant, bah, je les avais fait, donc c'était des retries toujours longs. Là, bon, je meurs sur le dernier monde, mais je meurs aussi et surtout sur le premier quand j'ai un peu de malchance. C'est-à-dire souvent. Et le deuxième quand j'ai plus de timing, c'est-à-dire souvent aussi. C'est pas cool ça. Ah zut. Puis la contre-timing. Allez, nous allons y arriver. C'est une certitude. Qui est moins certain, c'est le jour et la nuit. Je ne vous parle même pas de l'heure. Oh, j'étais trop près. Non. Ah, mais c'était peut-être bon le premier. Sachant que là, sur quoi je viens de mourir, ce timing-là, pour moi, c'est un peu full chance, quoi. J'ai glissé, chef, j'ai glissé. Non, je me suis pris le pic un petit peu trop bas. Bon, ça commence à faire plaisir, on arrive
plus souvent qu'avant. Au tableau 3. Évidemment, je le dis, donc ça jinxe un petit peu, mais vous êtes habitué. D'accord, ça jinxe beaucoup. Là j'avais commencé un peu mal. Donc forcément, quand on commence mal, on continue mal. C'est la classique, hein. Aïe aïe aïe. Oh, je m'inquiète pas. Descendu assez bas. Non, d'accord, là c'était vraiment le mauvais moment. Allons-y gaiement. Faut que je descende plus, j'avais dit en plus la fois d'avant. Non. Quelques fois avant. J'ai lâché. Je crois que j'ai lâché sans le vouloir. Ah zut.
Ah non. J'avais de quoi remonter facilement là. Je peux rester à l'infini à cet endroit là. Ok, un cristal qui... pas sauter juste à ce moment là, faut attendre. Saut là, petit saut pour pas descendre à la mort, parce qu'après j'ai jamais le timing comme il faut. Ah non, je saute trop, je me suis pris le truc. Allez, on va y arriver. Voilà. Oups. Sinon, j'ai configuré un équivalent Stream Deck, mais open source. Ça s'appelle StreamPy. J'ai encore pas mal de trucs à voir dessus, mais... mais c'est plutôt bien, un peu mieux que mon truc d'avant. En tout cas, il y a plus de possibilités. Mon truc d'avant, c'était juste un site web qui permettait de gérer OBS, donc les scènes, tout ça. Ben là, ça permet de faire la même chose. Mais si je veux avoir un raccourci pour ouvrir un ou plusieurs sites web d'un coup, genre le dashboard Twitch et Streamlab OBS ou ce genre de choses, enfin non, l'interface de Streamlabs, ce genre de choses quoi, je peux le faire théoriquement, même allumer OBS d'un coup quoi. Je dis stream on et ça m'allume. Genre ça m'allume OBS. Ça m'ouvre le dashboard. Et tout ce qu'il faut. Ça peut être pratique. L'ancien il était un peu plus. Genre il me disait sur le retour combien de temps de stream j'avais et combien de temps la vidéo s'enregistrait. Là je l'ai plus cette info pour le moment en tout cas. Mais c'est censé s'interfacer avec plus de choses et du coup potentiellement je vais pouvoir vous mettre un peu plus de son en mode... sont fun ou quoi. Oula, je crois que j'étais hors tempo, mais c'était pile poil. Aïe aïe aïe. J'ai fait n'importe quoi.
Et voilà, se concentre un petit peu. On l'a. Et face C, vraiment terminé. Ça, ça fait du bien. Et en parlant de timing, là, je pense que commencer le chapitre 4, la Red Door face C, ça va pas le faire. Du coup, je me souviens encore, vous avez de la chance, de ce que je parlais sur cette face C du monde 2. Donc ça, quasiment tu meurs jamais. Ici, moi, mon truc m'allait bien, donc je mourrais quasiment jamais. Et je mourrais du coup plus que dans cette salle. Et c'était ça qui me frustrait. Et donc ici... est-ce que je vous ressors le paint? Non. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Et moi, ce que je faisais, c'était ça. Non, et puis là, je tombais... Attendez. Je sais plus ce que je faisais après, mais je tombais et je me ragrippais. Mais dans l'idée... Alors, ça, c'était nul. Mais effectivement, ça... J'avais dû lâcher un moment. Ça m'a l'air plus fait pour, effectivement, ce chemin. Et je ne trouvais pas le bon chemin. Retour à la carte, oui. Si on regarde rapidement, on a... On a tout ça. Est-ce qu'on a envie... Alors, on n'a pas envie de faire les fraises dorées B. Les fraises dorées A, on n'a pas vraiment envie non plus. Je dois vous l'avouer. Est-ce que... Parce que là, il reste un peu de temps. Mais je pense que je vais arrêter du coup l'épisode là. Hein. Comme ça, la prochaine fois, on commence le chapitre 4 directement. Et pareil, un, deux épisodes peut-être... pour essayer de finir le chapitre et d'avoir son face C et d'avoir sa fraise d'or. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis très bientôt.